Vu que certains me l'ont demandé, je reviens sur la comparaison du FT710 de Yesu avec le FTDX10. Je ne reviens pas sur la vidéo précédente dans laquelle j'ai abordé la résistance aux signaux forts où le FTDX10 sortait gagnant, mais je vais m'intéresser aux autres caractéristiques. Au niveau des fréquences, égalité parfaite. Au niveau des modes, le FTDX10 permet d'émettre et de recevoir en F1B, le RTTY, et en G1B, le PSK, de façon autonome. Cette fonctionnalité est assurée par de nombreux logiciels, mais néanmoins elle peut vous intéresser. Boîte de couplage interne similaire, rose de 3 max pour la partie HF, rose de 2 max sur le 50 MHz. Caractéristique que j'estime importante, l'oscillateur de référence, 0,5 ppm dans les deux cas, ce qui correspond à une précision de 0,5 Hz par MHz. Sur 30 MHz, la précision sera donc de plus ou moins 15 Hz. Sur 7 MHz, plus ou moins 3,5 Hz. Et évidemment, c'est dans le pire des cas, donc c'est parfait. Un élément qui peut être important pour certains d'entre vous notamment en utilisation en portable sur batterie, nous constatons que le FT710 consomme 0,8 ampères de moins en réception sous 13 volts 8, v, ça fait donc 11 watts de moins. On peut tabler sur 20 watts de moins sur une alimentation secteur de 120 volts vers 13 volts 8, v, vu le rendement, soit à l'année 175 kWh en moins. Si vous laissez sous tension 24 h sur 24, la consommation en émission est anecdotique. On n'est pas à 2 ampères près lorsqu'on en consomme déjà 20. Pour la réception, voir ma vidéo précédente. Certains verront la présence d'une fréquence intermédiaire sur le FT710 tout comme sur l'IC 7300. Le FTDX10 dispose d'une fréquence intermédiaire complémentaire 9 MHz sur laquelle vous pouvez mettre des filtres. C'est la grande force des récepteurs hybrides dont la résistance au signaux fort est inégalable actuellement. Maintenant, IESU ne vous en parle strictement pas dans les caractéristiques données par le constructeur, mais cela apparaît parfaitement sur le site de Sherwood. Allez voir ma vidéo précédente sur le sujet. Sortie audio similaire 4 ohms nominal. Le FT le T710 est équipé du système AESS qui génère a priori un effet 3D au niveau de la réception. Est-ce que cela ressemble à la réception binaurale Peut-être. Le FTDX10 dispose de filtres sur la première FI 500 Hz pour le Morse, 3 kHz pour la phonie notamment. On retrouve le filtre de contour, qu'on ne trouve que chez Jésus d'ailleurs. Ce filtre, bien réglé, peut s'avérer très utile pour des oreilles vieillissantes. Je parcours le manuel en anglais pour une raison simple, c'est que les traductions, notamment en français, sont généralement incomplètes. à noter la présence d'un fusible Source de dysfonctionnement sur le long terme. Les contacts occident. C'est anecdotique. Pas de différence notable au niveau des options. Plus de connectique à l'arrière pour le x 10 Un port USB de plus. Une commande tuner et linéaire séparée et la présence de la prise historique RS232C. Le FT710 est livré avec le haut-parleur externe SP40. Vous savez ce que je pense des haut-parleurs externes des marques, mais cela peut vous intéresser si vous optez pour un de ces deux postes. Je vous conseille clairement le FH2. Ce petit Clavier, très pratique. L'écran externe, c'est assez sympa. J'attire votre attention de bien faire les branchements, tout totalement débranché du secteur. Je serai à votre place, j'opterai même pour un écran tactile. Le tactile de l'écran c'est en fait une souris. Je ne sais pas si ça marche, mais ça vaut le coup d'essayer. Un point intéressant chez jésus c'est que l'intégralité des commandes de l'écran sont accessibles à la souris. Ainsi, si votre écran interne tombe en panne, votre écran externe vous sert de rescue, ce qui n'est pas le cas chez Icom, où toutes les commandes ne sont pas accessibles. Au niveau de l'ergonomie, il n'y a que vous qui pouvez juger quasiment. Je connais notamment une personne qui préfère l'ergonomie du FT710 au FTDX10. Si cette personne se reconnaît, je veux bien qu'elle me recontacte avant l'achat. Inventoriez les commandes que vous utilisez le plus avec votre émetteur-récepteur. Moi, par exemple, avec ma boîte de couplage automatique, j'ai besoin de changer de puissance assez fréquemment. Alors, je désire que la consigne de puissance soit facilement accessible. Le bouton CS du FTDX10 répond à mes attentes, par exemple. Le bouton fonction du FT710 également. Bref. Nous avons tous des attentes différentes. Alors, allez bien voir les vidéos sur YouTube des possesseurs de FT710 et FTDX10. Et nous avons tous des voix différentes. Et là, comme nous pouvons le voir, l'équaliseur paramétrique du microphone est similaire sur les deux postes, ce qui est très bien. Il se peut que la personne qui préfère l'FT710 n'ait pas réglé ses paramètres, ceci dit au passage. Partout, vous voyez 6 dB par octave, 18 dB par octave. Vous sélectionnez 18 dB par octave. Regardez, il y en a beaucoup sur 6. Si vous ne savez pas pourquoi, venez dans mes lives d'entraînement au certificat d'opérateur radio amateur je vous expliquerai. Il faut vraiment lire les manuels utilisateurs jusqu'au bout, avant même d'acheter le poste. Je vous rassure, la version française est suffisante. D'ailleurs, un exemple plutôt parlant, vous avez carrément la configuration pour le mode FT8. Alors, la prochaine fois qu'il y en a un qui me pose la question, je lui répondrai RTFM. Je constate que la fonction opération est toujours présente, ça c'est bien. Cela permet, en appuyant sur la touche Band, d'avoir la config Phony, FT8 et C double, par exemple. Dans les manuels utilisateurs, vous avez ces pages qui vous permettent de connaître les fonctions accessibles sur les deux postes. Alors, je vais regarder les différences notables. Pas grand chose. Pensez à commuter les 6 dB par octave en 18 dB par octave. Alors, franchement, à quelques détails près, c'est très similaire. Le cœur de l'émetteur-récepteur, c'est évidemment le module SDR, dans lequel vous trouvez un ADC, Analogique Digital Converter. C'est un convertisseur analogique vers numérique. Et le module FPGA. Un autre point qu'on peut noter également, c'est le DSP que vous voyez sur la droite. Pour le FTDX10, c'est le TMS320C6746. Et pour le FT710, c'est le MIM. XRT685 SFVKB. Cela vous fait une belle jambe, me direz-vous. En résumé, le module du FTDX10 date de 2009. C'est finalement un processeur qui fonctionne, mais qui est un peu âgé, alors que le modèle du FT710 lui date de 2020. En résumé, le DSP du FT710 offre une architecture plus moderne avec des capacités de traitement audio avancées, a priori. Ainsi, sans parler de la résistance au signaux fort, on peut supposer que le FT710 a une meilleure réception que le FT. Mais ce n'est qu'une supposition. La résistance aux signaux forts est assurée par l'architecture hybride du FTDX10 qui dispose d'une fréquence intermédiaire à 9 MHz, ce qui permet d'y adjoindre des filtres et de ne présenter à l'ADC, le convertisseur numérique analogique, que le signal utile ou presque. Limitant ainsi le phénomène de clipping, contrairement au FT710 qui reçoit l'intégralité de la bande de réception sur laquelle il se trouve. Aucune information précise concernant les modules SDR-FPGA ne se trouve dans la documentation de service a priori, si ce n'est que les deux postes disposent de modèles 16 bits. Au vu de l'information se trouvant sur les deux schémas, on peut supposer que les modules SDR-FPGA sont les mêmes sur le FTDX10 et FT710. On constate la même désignation de connecteur P1091717 sur les deux postes par ailleurs. Ma conclusion, résistance aux signaux forts, FTDX10 clairement supérieur sur le FT710, à l'instar de l'ICOM 7300, la réception pourrait être dégradée si présence de signaux forts sur la bande de fréquence que vous utilisez, telle que présence d'un big gun proche de chez vous, période de conteste, période orageuse. Ce dernier point d'ailleurs a été constaté par l'ancien revendeur du département 33 lors de sa comparaison des deux postes. Par contre, possible que la réception DSP soit de qualité supérieure sur le FT710 vis-à-vis de la présence d'un DSP plus récent, plus puissant. Je précise une nouvelle fois qu'il s'agit d'un avis personnel et que vous devez bien peser tous les points que j'ai abordés afin d'être certain de ne pas regretter vos achats. Dans mon cas, je place toujours la résistance aux signaux forts en tête de mes priorités. Ainsi, mon choix serait de prendre le FTDX10. Même si le FT710 a un DSP plus récent. À moins que finalement vous attendiez la sortie de la prochaine version, le FTDX12, qui aurait la résistance des signaux forts du FTDX10 et la qualité de réception du DSP du FT710. Avec en plus l'émission réception en VUHF. Bon, là c'est la science-fiction, mais on sait jamais. A bientôt dans de nouvelles aventures.